Le parfum séduit, charme et réenchante notre vie. Mais n'aurait-il pas des secrets à nous révéler ? Créée à l'occasion de la Journée mondiale du parfum, cette série de podcasts, Le parfum, des métiers, une passion, décline ses épisodes comme une visite guidée des coulisses de la parfumerie. Qu'ils soient experts de matières premières, évaluateurs, verriers, parfumeurs, apprentis parfumeurs, ces femmes et ces hommes passionnés représentent les maillons de la filière parfum. Ils vont vous raconter les secrets de leur métier. Ce podcast est produit par la Fragrance Foundation France, un acteur engagé au service des talents de l'industrie du parfum. Cet épisode donne la parole à Victoria Rongier, directrice marketing internationale mode et parfum de la maison Rochas. Quelles sont les missions du département marketing au sein d'une maison iconique telle que Rochas ? Quels sont les enjeux à la fois créatifs, industriels et commerciaux qui doivent être pris en compte dans la création d'un nouveau parfum ? Du concept à la mise sur le marché, Victoria nous raconte de A à Z comment elle développe chaque projet avec son équipe. Elle nous parle avec passion d'un métier qui consiste à transformer un rêve de parfum en un parfum de rêve. Fragrance Foundation Podcast vous souhaite une belle écoute. Quand j'étais petite, je baignais déjà dans cet univers du parfum. Ma mère a travaillé pendant très longtemps à la communication d'un grand groupe de maisons de composition. Et j'adorais y aller, être plongée dans cet univers, sentir les essences, les matières premières. Et très rapidement, je me suis passionnée. Bonjour, je m'appelle Victoria Rongier. Je suis directrice marketing mode et parfum Rochas. Alors aujourd'hui, moi j'ai la mission, le rôle de déterminer l'expression de la marque et l'image qui va arriver jusqu'au grand public pour Rochas. C'est-à-dire quel est le message qu'on veut donner à ces nouveaux parfums. C'est vrai qu'on a une maison aujourd'hui qui est presque centenaire, donc en 2015 quand on a racheté. Ma mission, ça a été de définir la stratégie à réaliser pour les parfums Rochas. Quand on travaille sur un nouveau projet, on parle toujours de travailler le projet de A à Z. Donc il va y avoir tout un processus de création qui va être basé à la fois sur les tendances de marché, l'ADN de la maison et son héritage. Le premier interlocuteur avec lequel on va travailler sur ce projet, ça va être le designer flacon, parce que c'est d'un point de vue industriel après ce qui va prendre le plus de temps d'un point de vue développement. Donc c'est le premier travail. Rapidement après va arriver la partie olfactive, donc définir ce jus pour qu'on puisse avoir un parfum qui soit au plus près possible du concept et de l'idée qu'on se fait du parfum. Après, on va arriver à la partie plus publicitaire. Donc quelle est vraiment l'image que vous allez pouvoir retrouver sur les panneaux de co à l'extérieur, la campagne télévision que vous allez pouvoir voir à la télé ou en VOD par exemple. Ça va arriver à peu près, si je dois donner une moyenne, 9 mois avant la date du lancement. On va travailler avec des métiers support qui peuvent être le merchandising, qu'on va réaliser des mises en scène sur les points de vente, ce que le public va voir, si les codes sont autour des fleurs, si c'est une édition limitée où on va être autour d'un thème de l'eau ou de la glace. On va travailler avec nos relations presse, ça veut dire réaliser un communiqué de presse et savoir comment on va pouvoir diffuser l'information qui va être réalisée par les journalistes auprès du grand public, donc que ce soit pour la presse papier, mais évidemment sur tous les supports digitaux. Ce sont également des métiers, par exemple, avec lesquels on travaille tous les jours, main dans la main, parce que c'est ce qui va faire la force. Et nous, en tant que chef d'orchestre, on va avoir un œil et on va être garant, justement, de cette image au travers de la réalisation de ce projet et de toutes les étapes jusqu'à ce que le public le rencontre sur le marché. Donc, par exemple, Mademoiselle Rochas, pour illustrer le propos, on voulait ce lien avec la maison de couture. Donc, on lui a fait un petit ruban, on a travaillé toute la verrerie avec du gros grain. Mademoiselle Rochas, c'était évidemment un nom qui était pour nous une suite évidente de ce qu'on avait déjà dans le portefeuille après Femme et Madame. Et après, d'un point de vue olfactif, comme on voulait quelque chose qui soit plus pour une jeune fille, dans une modernité, une certaine jeunesse, on voulait un parfum qui soit quand
quand même assez gourmand, avec une vraie gourmandise, quelque chose d'assez juteux. Donc on a de la groseille par exemple dedans, quelque chose qui soit vraiment addictif et qui donne envie et qui plaise à ces jeunes filles. Dans la réalisation d'un projet, on part sur une moyenne d'un travail de 2 ans, à partir de la première idée du concept, où on va valider avec la direction ce nouveau projet parfum, jusqu'à la mise sur le marché. Je pense que depuis à peu près 10 ans, les métiers de la communication se sont mélangés au marketing. Donc aujourd'hui, le marketing ne peut rien faire sans la communication et inversement. L'ère du digital est très présent, que ce soit la façon d'acheter, mais aussi la publicité et le média qu'on va utiliser. Moi, j'ai la chance chez Rochas de pouvoir gérer nos propres réseaux sociaux et notre site internet. Et je vois tous les jours le contenu qu'il faut développer. Je pense qu'aujourd'hui, le plus grand défi, c'est tout simplement d'émerger. Donc, est-ce que ça peut jouer sur beaucoup de choses? Est-ce que c'est la dimension éco-responsable qu'il faut mettre en avant? Est-ce que c'est travailler avec des égéries, être sur TikTok à fond, ça peut être ça. Mais tout simplement, émerger. On est dans un environnement aujourd'hui ultra concurrentiel et effectivement compétitif. On prend la parole sous différents aspects. Là, on a voulu s'ancrer avec Girl, qui a été lancé en 2021, dans un produit qui a une dimension vraiment éco-responsable, tant sur le packaging, donc le verre qui a été utilisé, comme le carton par exemple, mais ça, ce sont 2 exemples parmi tant d'autres, mais aussi le parfum. Le parfum, et c'est là qu'arrive la dimension aussi sociale et environnementale, c'est qu'on a voulu s'approvisionner en matière première d'origine naturelle, donc réalisée à partir d'une chimie verte, justement, et pas de pétrochimie, avec des ingrédients au maximum d'origine naturelle. Donc on est arrivé à quelque chose qui est à 90% d'origine naturelle. Donc on est extrêmement fiers d'avoir pu lancer ce parfum, qui est un parfum en plus qui remplit tous les critères d'éco-conception, mais dans un univers du luxe qui ne nous attendait pas. Moi, ce que j'adore, c'est être en amont. C'est vraiment la partie plus conceptuelle, toujours en ayant cette phase analytique. Donc, elle est à la fois créative, cette phase, et à la fois analytique. Analytique parce qu'on a besoin de connaître les tendances du marché, ce qui se fait d'un point de vue industriel, mais aussi les attentes de nos consommateurs. Et également, regarder d'où vient notre marque, quelles sont les valeurs et son ADN. Et la partie créative, c'est là où on a évidemment le champ libre pour créer toutes ces émotions et faire rêver notre consommateur final. Pour faire notre métier, pour faire mon métier, je pense qu'il faut beaucoup d'intuition. Il faut de l'émotion. Et évidemment de la créativité. Il faut qu'on ait une vision des projets parfums qu'on veut avoir 2 ans après, ou 3 ans après, ou 4 ans après, en fonction des tendances. Mais tout n'est pas écrit et gravé dans le marbre. Donc il faut vraiment qu'on ait cette intuition et cette envie de se dépasser et d'aller plus loin. Pour conclure, je pense que le mot le plus important sera la curiosité. On a parlé d'intuition tout à l'heure, je pense qu'il en faut énormément pour faire ce métier, mais la curiosité, c'est aussi très important parce que c'est ce qui va définir à la fois tous les axes de réflexion de ce projet, comprendre quelles sont les tendances, regarder ce qui se fait à la concurrence, rechercher la petite anecdote dans la marque, comprendre d'où elle vient. Donc c'est toute cette curiosité qui va faire que demain, on va pouvoir lancer un beau projet parfum. Ce podcast est produit par la Fragrance Foundation France, un acteur engagé au service des talents de l'industrie du parfum. Retrouvez cet épisode sur le site de la Fragrance Foundation France ou sur votre application de podcast préférée.